Bonjour Nicodème, bonjour Elvis, bonjour Samia. Bonjour. Et bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes là du coup pour nous parler de trois films différents que vous avez projetés tout à l'heure, qu'on a tous vus tout à l'heure. Je pense que Mickaël a plein de questions à vous poser. Oui, ça pourrait peut-être brièvement vous nous rappeler vos âges à peu près pour qu'on voit, et si vous dépendez d'une école ou si vous faites ça à votre propre chef, ces courts-métrages-là. Et nous donner le nom de vos films, bien sûr. Oui, au passage. Alors moi, j'ai présenté Soma, j'ai 21 ans et je fais ça tout seul avec l'aide de mon acteur fétiche. Vas-y. J'ai 21 ans, j'ai fait ça autoproduit aussi et je suis en BTS audiovisuel en images à Paris. Et d'accord. En alternance senior. Et du coup, le nom de ton film C'est Imperceptible. Imperceptible. Et moi, du coup, c'était Witch. J'ai 25 ans et je viens de terminer mes études de cinéma. Donc c'est un film autoproduit, c'était pas dans le cadre des études. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que... Nicodème peut-être avant, veut dire oui, son âge. Oui, et puis voilà, moi, oui, voilà, c'est Nicodème, et puis j'ai 22 ans, et donc moi j'ai pas fait d'études, ni de comédie, ni rien du tout, ça vient comme ça, quoi. Ok, bah bravo. Merci. Est-ce que c'était... Alors vous, du coup, pour certains, vous avez sûrement déjà présenté des films que vous avez faits devant du public. Pour d'autres, c'était la première fois ou pas aujourd'hui ? C'était la première. C'était la première, oui. Oui. La première fois, ok. C'était le premier film que je présente en public, mais c'est pas son premier festival, enfin c'est pas sa première projection. D'accord. Ok. Moi, c'était pas la première fois, mais c'était la première pour ce film-là. Très bien. Projection. Donc tout le monde, c'est un peu différent. Ok. Question un petit peu plus psychologique. Vu qu'on arrive sur la fin, je me fais plaisir au niveau des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'imperceptible dans vos trois projections ? Quelque chose de sous-entendu, quelque chose d'implicite ? Moi, c'est peut-être un point commun que j'aurais peut-être imaginé de vos trois projections. Alors, qu'est-ce qu'il y a de à votre avis, sans nous dévoiler tout le mystère, mais dire qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi l'essence de commune et d'imperceptible de vous trois ? Il y a plein de choses imperceptibles, libres à toute interprétation. Comme vous dites, je n'ai rien dévoilé. Le mystère est sacré. Non, mais dans les détails, il y a plusieurs choses. On n'aura pas assez de temps, je pense, pour tout raconter. Il y en a tellement à dire, en fait. Je veux dire, ça, je pense que c'est un métier pour faire passer des messages, pour faire passer des images. Et donc là, il y a plein de choses à dire. Il y a toujours une espèce de voile derrière chaque film, derrière chaque acteur, chaque interprétation, et même derrière chaque réalisateur. Voilà. Oui, d'accord. Je pense. Du coup, moi, c'est le titre déjà, donc ça aide. C'est vraiment le lien qui est très fort entre la musique, l'image, la réalisation, qui vraiment l'envie de faire voyager dans un univers très poétique le spectateur. Voilà. moi aussi, déjà parce qu'il n'y a pas de dialogue, donc c'est au spectateur de se faire le message du film et d'y voir ce qu'il veut y voir. Petite question, juste en 30 secondes. Le damier, il revient tout le temps dans le film de Witch, le damier. Alors, est-ce que ça a un sens particulier pour toi ? C'est un truc. Le damier. Elle est forte, cette image, non ? En fait, je suis très amatrice des films, par exemple, de David Lynch, oui. Où il y a souvent des motifs labyrinthiques. Et là, c'était un peu la même idée, la même inspiration avec ce motif qui est très imposant, qui crée une espèce de voile sur l'image. Donc c'est très frontal, en fait. Ouais. Et même question à peu près pour les grimoires alchimiques qu'on peut voir dans... Est-ce que vous lisez ça déjà chez C'était ce genre plus de pour m'inspirer de Lovecraft. Lovecraft, j'ai senti Lovecraft. Ouais. Vraiment la base. Ouais. C'est vraiment vraiment la base de Lovecraft. On n'a pas pu effleurer un peu plus loin, on va dire, parce qu'après il faut savoir que le film, on a mis tous les deux du budget dedans. D'accord. Lui, c'est lui le réalisateur, mais après moi j'étais coproducteur avec lui. Donc il faut savoir, on a mis je crois 300 euros chacun à peu près, un truc comme ça. D'accord. Et on a fait selon vraiment nos moyens ce qu'on pouvait, quoi. On n'a pas vraiment réussi à trouver autour des productions, tout ça, alors on a fait comme on pouvait. Mais pour ce qui est de l'inspiration, je me suis plus inspiré de Murnau et Fritz Lang.
Okay. Vu que c'était mon premier court-métrage, j'ai voulu faire les premiers films. Donc okay, voilà, on a vraiment effleuré le sujet, quoi. C'est tout. Mais c'était très bien. Merci. Merci encore. Tous les quatre, du coup, est-ce que vous avez envie de... Je suppose que vous avez envie de continuer là-dedans. Et est-ce que vous avez envie de faire carrière dans ces métiers-là ou... Bah du coup, oui, enfin... vraiment, j'ai envie d'être chef opérateur, de gérer le cadre, la lumière. C'est vraiment ce qui m'anime dans un film et, okay. et le lier avec la composition de musique de film et créer, du coup, comme là, dans ce cours, la musique en même temps que l'image, parce que ça a un lien très fort, en fait, et on peut raconter une histoire avec la musique et aussi avec l'image. Et... Donc là, dans ce film, c'est vous qui avez fait la musique ? Oui. Ok. Oui. Et en même temps que le montage, c'est fait... Vraiment, il y a eu un mois et demi où j'ai monté, fait la musique. Et après, il y a eu 4 mois de post-production, où... parce que je filmais en log, en fait. Et vu que j'étais toute seule le jour du tournage, du coup, il y a eu 4 mois d'étalonnage derrière pour, okay. pour créer une identité, justement, et laisser aucun détail, en fait. Même le générique, j'ai voulu le travailler pour vraiment faire un voyage de A à Z pour le spectateur. Okay. Du coup, carrière, oui, pour sûr. Oui. Oui, oui, on a envie de laisser une trace pour les générations futures. Je vais faire court, oui aussi. Ok. Ben, en tout cas, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. De rien. Et merci pour vos films, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment chouettes. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation et surtout bonne réussite. Merci. On espère. On vous le souhaite.